Bonsoir la famille, voilà, c'est moi, MD, je suis avec celle-là, voilà. On va faire un jeu. Je tiens à préciser que c'est pas notre jeu, c'est pas notre concept. Le concept existait bel et bien avant. Donc on ne peut pas qu'après dire que oh, le concept, vous avez voulu, non, c'est pas pour nous, c'est un challenge qu'on a vu. On a décidé de faire ça entre ex. Ok. Hein? Tu t'es avec lui. Non, mais tu m'as appelé, tu as dit que tu voulais qu'on puisse. Moi, je t'ai appelé, tu es mal. Tu veux que je monte tes captures d'écran où tu me dis que tu veux faire ça. Alors, et tu as bien mis la condition que si j'accepte. Tu vas arrêter de m'emmerder, de me taguer partout. Non, continue, est-ce que tu veux des fous, des balles? Oh, on a dit, tu es bien malin. Je ne veux même pas te dire. S'il te plaît. Donc, le concept de jeu, il est simple. Je vais poser la personne qui a copié les mots, c'est la fille là, une question. À chaque question, si la réponse est non, je dois enlever un élément sur mon corps. Par exemple, la casquette. Et puis, moi aussi, pareil, quand je vais poser une question, si la réponse est non, je dois enlever un élément sur son corps. Voilà, on va aller rapidement. Qui commence? Frère, je vais quitter là. Bon, est-ce que ton gars est plus élégant que moi? Ton nouveau gars, celui avec qui tu es là? Mais oui. Hein? Oui. Mais oui, comment? Il est plus élégant que toi, mon cher. Continue. Ok. Voilà. Est-ce que ta go a plus d'argent que moi? Pourquoi tu commences par l'argent? Est-ce que ta go a plus d'argent que moi? Voilà, on continue. Est-ce que ton gars il a un iPhone, le 14? Oui. Hein? Non, il n'a pas le 14. Il n'a pas le 14? Non. Et donc tu as même l'iPhone, tu veux beaucoup parler. Tu veux beaucoup parler. Tu veux quoi avec ça? Hein? Il n'est pas un humoriste, il passe tout le temps à faire les photos, les vidéos. Pose tes questions. Les teases. Est-ce que ta voix est plus en forme que moi? Oui. En forme de moi. Oui, dans sa catégorie. Dans sa catégorie. On parle de physique, on n'a pas les catégories. Elle a un bon physique. Enlève. Pourquoi tu veux que je puisse enlever? Elle n'est pas plus en forme que moi. Enlève, on va. Oui. Regarde, je ne suis pas obligé d'être là. Voilà. Tu n'as pas à me conditionner, c'est un jeu qu'on a décidé. Je ne te conditionne pas. Tu as décidé avec toi, tu as décidé avec moi. Tu n'as pas décidé avec moi, tu as décidé ça seul. Non, continue. Pose ta question. Est-ce que ton gars est skinny comme moi? Oui. Bien bâti, taillé, mince. Moi, je n'ai pas demandé les détails. Est-ce qu'il est skinny? Il est skinny? Bien skinny? Tu me parles de quoi? Okay. Allez. Ok. Est-ce que ta go te fait pleurer comme moi, je te fais pleurer? Elle me fait aussi pleurer, pourquoi? Elle, moi-même, elle est sincère. Est-ce qu'elle te fait pleurer comme moi, je te fais pleurer? Oui, tu deviens fou. Tu me cherches dans la vie, dans le camion. Tu me tagues partout. Est-ce que est-ce qu'elle te traumatise comme moi je te traumatise? Oui, elle me traumatise. Papa. Elle me traumatise, oui. Écoute, tu sais, elle me traumatise. Quand tu t'engages sur un jeu, il faut être honnête. Je suis honnête. Tu ne sais rien. Oh, ma nouvelle go me traumatise. Mais pourquoi tu es là? Elle est traumatisée, tu es là pour moi. On est là, c'est pour le jeu, numéro 2. Roméo, est-ce que tu me chasses ta fille là comme tu me poses? Bien sûr, oui. Moi, tu peux prendre la question. Est-ce que tu es dans ma relation? Tu continue. Est-ce que ton nouveau gars là, que tu fais le bruit là, il a plus d'argent que moi? Il a plus d'argent que toi, Roméo. Tu connais combien j'ai dans mon compte bancaire? Mais tu connais combien de son compte bancaire aussi? Voilà. C'est Dieu celui qui sait. Voilà. Quand c'est ça. Tu n'as pas reconnu ici? Ici. Il a plus d'argent que toi. En tout cas. Voilà. Continue. On continue. D'accord. Est-ce que tu t'es déjà mis à genoux devant le public de ta go? Non. Voilà. Enlève. Voilà quoi. Enlève. Quand je vais faire ma demande de fiançailles, je vais forcément mettre. Papa, enlève. C'est quelque chose qui botte la toque. Quand tu qu'elle est de laver la poche. Ça, c'est inox. C'est inox. L'argent inox. Quel argent inox? Mensonge. Alors, est-ce que ton gars t'offre les cadeaux, les surprises, le voyage à Pont, comment je faisais? Est-ce qu'il fait ça? J'ai envie de dire. Maman répond. Ouh, ils m'ont plié les cadeaux. Quel cadeau? C'est voilà, ces cadeaux-là. À mon anniversaire, ils m'en ont offert. Il n'a pas besoin d'attendre mon anniversaire. Ils m'offrent. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre mon anniversaire. Pourquoi est-ce que j'ai répondu? Ils m'offrent des cadeaux. Continue. Oh, Seigneur. On veut juste savoir, c'est tout. Ils m'offrent des cadeaux. Voilà, alors, est-ce que ta go a déjà voyagé à l'extérieur du pays comme moi? Plusieurs fois. Pas plusieurs fois, une fois. J'ai dit plusieurs fois. Les détails comptent ici. J'ai dit plusieurs fois. Non, mais elle, pas plusieurs fois, elle a voyagé. J'ai dit, est-ce qu'elle a déjà voyagé plusieurs fois à l'est du pays? Mais gagne un temps.
Oh, dépêche-toi. Pose ta question, tu n'as plus de questions, tu laisses. Ton gars, laisse-moi réfléchir, je peux me forcer pourquoi. Bon, tiens, réfléchis. Est-ce que ton gars t'aime comment je t'aimais? Est-ce qu'il te pourchasse comment je te jetais? Comme moi je te pourchassais avant. Est-ce qu'il fait ça? Ne dis pas l'avoir avant. Non. Tu me pourchasses toujours. Faut d'abord maintenir oh, oui. ça. Est-ce qu'il te pourchasse comme moi je fais toujours? Est-ce qu'il le fait? Il me pourchasse. Tu es une menteuse, Emerald. Tu es une menteuse. Enlève un truc. Faut pas mentir. Il me pourchasse. Tu es une menteuse, arrête. Tu es là devant les gabonais, tu veux mentir. Enlève. Mais il me pourchasse. Enlève. Aïe aïe, là quand même pour enlever c'est compliqué parce qu'il me pourchasse. Non, mais on n'allait pas faire ça. Moi j'ai enlevé les. D'accord. Bon, comme ton niveau c'est le niveau, comme ton niveau c'est le niveau désespéré, que lui n'est pas désespéré. C'est pas que je suis désespéré. Quand l'amour est sincère, quel sincère. Ça c'est la maladie ça. Ça c'est la maladie. Il n'y a pas d'amour sincère là. D'accord. Est-ce que Tago sait faire le Niemboy? Elle sait faire le Niemboy. Est-ce qu'elle sait faire le Niemboy? Elle sait très bien préparer le Niemboy. Qui t'a dit qu'elle sait faire le Niemboy? Ou quand tu dis elle est possible. On ne parle pas de la pâte d'arachide. Non, on ne parle pas de la pâte d'arachide. Niemboy fait de manière. On ne parle pas de l'arachide avec le sucre, machin. On parle du Niemboy. Margot, elle sait bien préparer. Moi, j'ai pris du poids. Je suis épanoui dans ma nouvelle relation. Voilà. Continue. Est-ce que ton gars, il a une voiture? Oui, il a une voiture. Quelle marque? Pas les choses des locations que vous papez, 60 000 euros. Non. Tu as vu les papiers sans son nom? Oui, j'ai vu, papa. Il a une voiture. Ah, Seigneur. Alors, est-ce que ta gros. Laissez-moi réfléchir. Non, il ne faut pas réfléchir. Faut oui. Pas. Alors. Est-ce que Tago a déjà reçu plusieurs cadeaux des entreprises, par exemple? Est-ce que Tago... Elle est sage-femme, donc les cadeaux, elle reçoit que de moi. Donc, c'est différent de toi. Toi, tu as des entreprises. Oh, ok, d'accord, je vais annuler. C'est la triche. Je vais annuler. Non, mais c'est à moi le point. Enlève un. Quel point? Non, tu peux pas... Ok, donc j'ai maintenu ma question. Non, mais tu ne peux pas maintenir ta question, tu sais que vous n'êtes pas... Mais donc, tu laisses, je termine. Tu laisses, je change. Tu veux qu'on aille dans une question existentielle. Donc tu laisses, je change. Change. C'est tout. Oh. D'accord, tu ne me touches pas. Qui t'a touché? Tu ne fais qu'avancer. Qui avance. Moi, je rigole. Pardon. Bon, est-ce que Tago a déjà fait pleurer? Comme moi, je te faisais pleurer. Oui, on a fait pleurer l'éléphant. Pourquoi tu as réfléchi? Non, non, avec l'éléphant, c'est. Non, mais je vais conjuguer. Pourquoi tu veux pas pleurer? Quand tu dis pleurer, tu dis que dans quel sens? Pourquoi tu. Non, laisse. Il n'y a pas de sens. Est-ce que. Tu peux pleurer parce que. Papa! Elle a eu un souci. Est-ce qu'elle t'a déjà fait pleurer? Bien sûr. Oui. Elle est claire. La réponse est oui, il y a même laisse, à cause de la fête d'éléphant, là. C'est des bêtises. Laisse-moi. On n'est pas dans son sens. Ce sont mes réponses. On n'est pas dedans. On parle d'un cadre général. Il faut laisser l'affaire, là. Est-ce qu'elle t'a déjà fait pleurer? Pourquoi tu hésites? J'ai répondu. Tu es devant la caméra, pourquoi tu hésites? Je réponds. Oh, elle m'a fait pleurer. Vas-y, continue. Je te pose maintenant la même question. Est-ce que ton gars t'a fait pleurer comment? Oui, la toute première fois. Et puis, tu m'as jamais fait pleurer. Pour commencer. Jamais de la vie. Donc, tu simulais. Les choses que je faisais, les yeux fermés. Et j'ai toujours simulé. Ah, c'est ça. La femme simule toujours. C'est pas moi qui vais t'apprendre ça aujourd'hui. Dieu sait. Oui. Donc, oui. Il m'a fait pleurer. La première fois même, les larmes. Moi, je n'ai pas demandé la première fois. Je te suis posé une question. Tu réponds, tu donnes les détails. Tous les jours, alors, les larmes sont. Voilà, c'est ça. Il faut enlever le truc. Alors, est-ce que ta chérie. Alors. Est-ce que ta chérie utilise des parfums de qualité? Pour le moment, c'est Strainage qui gère. Est-ce qu'elle utilise des parfums de marque de qualité? Comme moi. Voilà. C'est ça là qu'on entend les parler. On parle des. J'ai un gars, Marco, pour fou, on peut déjà les parfaits de tout à 1000 francs. Tout à 1000 francs, c'est ça. J'écoute. Est-ce que ton gars a 6 millions dans son compte personnel, pas l'entreprise que l'on a donné qui remet. Est-ce qu'il a 6 millions dans son compte?
Voilà, je sais pas. Non, voilà. Je sais pas. Enlève le truc. Ça l'a compté pour un nom. On a gagné en temps, un euro. 6 millions, je sais pas personnellement. Mais non, j'ai dit, je ne sais pas. Non, si c'est ton gars, tu dois savoir. Donc, non, pas forcément. Parce que moi, comme je donne mon compte, il ne sait pas. Ah, mais donc, ça, c'est votre chose de relation. Mais voilà. Ambigu. Voilà. Non, 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 c'est pas ambigu. C'est pas ambigu. Désolé. C'est pas ambigu. Je suis désolé. Ça, c'est le comportement des gens qui ont une affaire de 100 000, 50 000 dans le compte. Ça, là, c'est normal. Toi, tu auras les millions, la fille que je connais là ne saura pas que toi tu as la vie. Elle va savoir. Vu que ce matin, elle va savoir. Voilà. Tu toi, tu ne savais pas qu'elle va, elle va savoir. On va gagner un temps. Donc, enlève quoi un enlève, enlève un truc. D'accord. Mais tu tentes d'enlever la robe. J'enlève le pompon. Non, non, non. Le premier truc que tu as touché. Tu me fous le pompon. Le premier truc que tu as touché, tu enlèves. Enlève la robe, elle est enlève la robe. J'enlève le pompon. Tu aimes le pompon comment? C'est moi qui décide. C'est là. Voilà. Enlevez. On est déjà à 10 minutes là. Allez, continue, là, 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 là. Oh, continue. Tu viens de m'énerver. Continue. C'est toi qui poses la question. Moi, je te pose le truc. Tu dis que non, tu ne sais pas. Ok, d'accord. Oui, je suis un peu. Tu ne connais pas combien de sont. Alors, est-ce que t'as beau? Il ne faut pas réfléchir. Bah non, je réfléchis. Tu as dit qu'on réfléchissait ici. Tu as dit que tu réfléchissais ici. Voilà. Est-ce qu'il arrive que ta voix puisse payer un loyer? Est-ce qu'elle est prête à te soutenir financièrement? Oui. Parce que moi, financièrement, oui. Je soutiens mon élément. Est-ce qu'elle est prête à payer un loyer? Elle est prête, on me soutient. À payer, je n'ai pas dit que c'était les 10 000, 15 000, 7 000 pour te faire les telles monnaies. Quand tu vas pour le taxi, avec ta troupe, souvent que tu es comme des sorciers, là, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, est-ce qu'elle est prête à te soutenir? Elle paye un loyer. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez mélanger les gens? Oh oui, oui, elle me soutient. Je n'ai pas dit les dépôts de 5 000. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, on continue. Voilà. Pourquoi tu t'agites? On parle. Vas-y. Est-ce que ton gars fait les voyages? Est-ce qu'il fait 10, 5 voyages par un mois? Bah non, parce qu'il travaille. Il fait des voyages. Non, moi, je ne veux pas. Si c'est pas bon, j'enlève un truc. C'est tout. Non, ça, c'est entre vous. Mais il fait des voyages. Mais un homme sérieux qui est stable, qui travaille, il ne peut pas faire 5 voyages par mois. À moins que le travail puisse permettre ça. Justement, à moins que sur le cadre du travail. Il a même un passeport. Voilà. Mais il ne vit pas au Gabon. Ça veut dire qu'il voyage dans le passeport. Maman, enlève la robe ou je sais pas. Fais-moi gagner en temps. Si tu veux, regarde ta question. Tu vas demander est-ce qu'il voyage. Non, est-ce qu'il voyage? Mais qui est-ce qu'il voyage? D'abord, c'est qu'il voyage. Pourquoi tu as dit de taille? Mais enlève, tu prends, tu gagnes en temps. Enlève la robe seulement, c'est tout. Bon, réitère ta question. Non, je ne réitère pas ma question. Réitère la question. Non. Donc, je n'enlève rien. Réitère la question. Est-ce que ton gars. Je te dis, est-ce que ton gars fait au moins 5 voyages dans le mois? C'est une question simple. Je vois pas où il y a quelque chose de. Machin. Enlève la robe. Continue. C'est toi. Ok. Est-ce que Tago a un enfant? Est-ce qu'elle connaît les douleurs de l'accouchement? Elle n'a pas encore accouché. Voilà. Donc c'est non. La réponse c'est non. Est-ce que Tago a un enfant? Non. Je n'ai plus rien enlevé. Le jean. Est-ce que Tago a un enfant? Non. Le jean. Voilà. Qui marche sans mettre les ceintures. La blague à vide. Ça ressemble bleu façon kaki. Les laver. On continue. On continue, tu vas quoi enlever? You know you can be prosecuted for that. Hein? Hey. On va continuer. Tu vas quoi enlever? Vas-y, c'est toi. Est-ce que ton gars a enlevé ta mère? En vidéo, oui. Pas en vidéo, physique. Parce qu'elle est comme moi, elle m'a vu, elle m'a touché. Elle t'a touché, t'as vu où? Elle m'a vu. Faut pas me mentir ici. Enlève. Elle t'a touché, t'as vu où? Non, ma mère t'a touché, t'as vu où? Vous êtes où? Tu veux je t'ai posé la question. Tu m'as dit non, enlève la robe. Il a déjà vu ma mère en vidéo. Moi, je t'ai pas parlé. Voilà. J'ai posé, est-ce que physiquement? Enlève. Il a déjà vu mes tantes, ça compte? Enlève, non, ça ne compte pas, enlève. Ok. J'enfonce la peau, c'est pour. Jesus is Lord. Tu fais quoi dehors? Tu dis quoi? Tu fais quoi dehors? J'avais froid. J'avais froid. Tu
discussion quoi avec Léon? J'avais froid, c'est moi qui pose la question. Quelle question? C'est moi. Je vais encore aller avec. Je ne joue plus. Et tu ne joues plus comment? Tu ne te rallies pas. Tu sors comme ça. Tout ça là, tu enlèves sur le jeu. Enlève le jean, tu rentres, tu pars comme ça. Non. Tu enlèves le jean, Roméo. Enlève le jean, tu rentres comme ça. Moi, tout ce que j'ai enlevé, j'ai enlevé. Ce n'est pas dit que tu devais te rhabiller. Enlève le jean, tu sors. Tu vas comme ça. Voilà, donc, moi, quand même, je ne suis pas une culotte. Quelle culotte? Les culottes de mon gars qui sentent bon, je vais te donner ça à toi. Comme un rigolo. Enlève, tu pars, je pars comme ça. Enlève. Trois sont dans la poche. Et ça aussi, vraiment, comme monnaie du taxi. Comme s'il n'y a pas besoin d'avoir les pièces financières. Quelqu'un monnaie du taxi. Rentre chez toi comme ça. Voilà, très bien. Voilà. Regarde le caleçon. Regarde l'arrière, on dirait, les maternités. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ah! Touché!